Chers internautes, visiteurs de la chaîne Tupac Ongo Sport, vous êtes en train de suivre Tupac Ongo Sport, la quintessence du sport congolais. Les appelés ont disparu, ont été emportés. International Tomoni, Sikawa, règlement à FIFA et lobby, Nini. Merci. Le terrain bien tracé, pas de monde dans la zone entre, mesures sécuritaires correctes, les images parlent. Oui. Les images parlent. Il n'y a pas de drapelé. Drapelé, voilà. Exact. Où est le drapelé? Ça, les poteaux de coin, les poteaux de coin, ouais. On ne sait pas. On ne sait pas. Nani, Ajoa Kango, c'est et difficile de terminer. Mais tout le monde est drapé. Mais tout le monde est exalité. Exalité. Donc, on connaît exalité. Maintenant, rapidement, nous devons totanga directive pratique pour les arbitres concernant Bakayamoui. Introduction. Il y a un totanga exalité récent. Avant les championnats, tous les arbitres, bah, les kaki n'a recyclage. Ok. Batalaki, Bayebi. Tobanda. Oui. Tout introduction. L'image au terrain, drapelé Bungi. Drapelé Zaté. Que prévoit le règlement? Ces directives comportent des conseils pratiques destinés aux arbitres en plus des informations fournies dans les lois TG. Oui. Monko Aizali. Mm. Il est appelé aux arbitres dans la loi 5 d'officier conformément aux lois TG et dans l'esprit TG. Les esprits sont invités à faire preuve de bon sens et à tenir compte de l'esprit du jeu lorsqu'ils s'appliquent les lois du jeu, en particulier lorsqu'ils doivent décider si un match doit avoir lieu ou continuer. Oui. C'est le cas maintenant, en circonstance. Les matchs doivent avoir lieu ou continuer. Bon. Cela s'avère en particulier nécessaire dans les divisions inférieures. Dans les divisions inférieures, à ton Lobango, Kélé. Match à l'OBS, match à FIFA T. Ils ont dit match à Confédération africaine de football T. Ils ont dit match le corps à haut fait que Bakoubek est dans la qualité. Ils ont dit un championnat local. Par championnat, il y a Bissoua, Namboka. C'est ça dans l'esprit de la FIFA. Voir à la base, lorsqu'il n'est pas toujours possible d'appliquer les lois du jeu à l'aide, par exemple, sauf en cas de problème de sécurité, l'arbitre peut permettre au match de commencer ou de continuer. Il manque un ou plusieurs drapeaux de coin. Nyata c'était. Il manque un ou plusieurs drapeaux de coin. Les cas d'hier là. Les cas au Yalobi. Il manquait un ou plusieurs drapeaux du coin. Bon. Deux. Il existe des légères erreurs quant au marquage du terrain de jeu tel que sniffage de coin, les rues centrales. Et comment vous rappelez que central, rond central, bah foufou, anato, bah chaud, et ce monde en a bien été. Soit ligne de touche, et ce monde en a bien été. L'arbitre
doit faire jouer le match avec la cour des équipes et faire rapport à l'organisateur. Dans le cas, l'arbitre devait, avec la cour des équipes, jouer ou continuer le match et doit envoyer un rapport à l'autorité compétente. C'est clair. Rapidement avec votre autorisation. Allez-y. Ok. Cela s'avère en particulier nécessaire dans les divisions inférieures, voire à la base, lorsqu'il n'est pas toujours possible d'appliquer les lois du jeu à la lettre. Vous avez suivi, hein? Oui. Il n'est pas possible d'appliquer les lois du jeu à la lettre. Par exemple, sauf en cas de problème de sécurité, l'arbitre peut permettre un match de commencer. Ou de continuer. Il manque un ou plusieurs drapeaux de coin. Il existe des légers retards quant au marquage de terrain. Ça, nous ne sommes pas là. Dans ce cas, l'arbitre devait, avec l'accord des équipes, jouer ou continuer les matchs et doit envoyer un rapport à l'autorité, un rapport à l'organisateur. Oui. Vous comprenez? Donc, on ne vend de rien. Et c'est directive pratique pour les arbitres. Ce n'est pas nous. C'est la FIFA. C'est la FIFA. Alors, international, dans le cas du match d'hier, oui. Qu'est-ce qui devrait se faire par les arbitres, par les commissaires au match? Maintenant, l'arbitre, il était là, n'a qu'à appliquer les directives pratiques pour le match. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il pouvait faire jouer le match. Parce qu'ici, on dit bien qu'il peut manquer un ou plusieurs drapeaux de coin. Donc, les cas, il a qu'ici, clair, donc, les matchs pouvaient se jouer et faire rapport à l'organisation avec l'accord des deux équipes en présence. Non, à Corée, qu'on bête, c'est un match, non, encore, il y a des équipes en présence. Première hypothèse. Oui. Vous comprenez? Et puis, et le Komoussou, d'ailleurs, c'est clair, il était bien tracé. On a conduit tout le monde au stade, n'a pas digéré ce que nous avons vécu hier. Oui. C'est que nous on n'influence rien. Mais nous sommes en train de relater, de faire relire ce que la FIFA prévoit. Voilà. Donc, je donne encore directive pratique pour les arbitres, page 177 dans les lois du jeu de 2016. Donc, Manovatal est un match à cas, un match à lobby de Saint-Pierre-Renaissance. Arbitre, selon le règlement FIFA est bon ici. A croire qu'au bêtise à match, n'a encore, il y a des Saint-Pierre-Renaissance. Bon, côté à commissaire au match. Côté à commissaire du match, sous tout ce qui est terrain. Ça, il faut qu'on se dise. Hein. Il faut que les gens, les amis qui sont à la maison, dans le bureau, dans le. Par-ci, par-là. Tout ce qui est le terrain, impraticabilité du terrain, c'est l'arbitre. L'inconvenabilité du terrain, c'est l'arbitre. Le terrain d'hier n'était pas impraticable. N'était pas impraticable, le terrain d'hier. C'était un terrain inconvenable parce qu'il n'y avait pas de drapelet de coin. Mais la FIFA nous demande de faire jouer les matchs avec l'accord des équipes et de faire un rapport à l'organisateur. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, bon en amont, les matchs pouvaient se jouer. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, on ne sait pas. Alors, mais la télévision est en train de... Je reviens sur ma question. Par rapport au commissaire au match, comment pouvait-il agir? Juste rédiger le rapport. Dans... Le commissaire du match constatait et ferait la cause. S'il y avait des gens qui descendaient, c'est la zone neutre. Ça, ce sont les rapports du commissaire du match qui doivent les signifier. Mais nulle part, on a dit le contraire. Parce qu'on a vu, il avait eu du calme, de la sécurité, impeccable. Les images à parler, ça maintenant, c'est le rapport. On ne sait pas ce que le commissaire a écrit. On ne sait pas ce que l'armée de Sandel a écrit. Nous sommes en train d'éclairer oui. L'opinion oui. Qui nous suit, si tous les amis de la RTC, c'est que la FIFA a prévu concernant les pratiques. Le commissaire Romain pouvait-il demander au commandant commis à la sécurité du stade de retrouver ces drapelets-là? C'est de son pouvoir. Ça, c'est de son pouvoir.
parce que le match n'avait pas encore commencé. Lorsqu'il y a un problème d'insécurité, de bousculade dans la zone, c'est le commissaire du match qui va demander à M. Labitte, attendez, je demande au commandant M2P qu'il mette un paix de l'homme. Ça, c'est connu. Voilà. C'est connu, mon frère. Donc, deux cas de figure par rapport au match d'hier. Mesdames et messieurs, l'arbitre, selon le règlement, pouvait faire jouer le match en accord avec les deux équipes des MP et Renaissance. Et également du côté du commissaire au match, celui-ci, tout en constatant, faisant son rapport, pouvait également demander, vu que la partie n'était pas, n'avait pas commencé, il pouvait demander au commandant de la police de retrouver ces drapeaux de mettre de l'ordre. Et une parenthèse aussi. Oui. Une parenthèse, hormis de ce que nous venons de dire. Au stade des martyrs, il y a des services de maintenance. Oui. Ce n'est pas tous ces drapeaux qui manquent. Et puis, il y a aussi le stade de Tata Raphaël à 5 minutes de cette course. Mais, hormis de cela, mais les directives pratiques pour les arbitres, voilà, on ne peut pas empêcher de ne pas faire jouer le match. Voilà. Vous devez faire jouer ce match-là, absolument, en collaboration avec l'accord de deux équipes et faire rapport à l'organisateur. Alors, dans le cas de figure, ce qui est arrivé, DCMP, Renaissance, match et Bétamité, International, ça, Nini et Koki Kosai et Masikawa. Ça, le maintenant, nous allons attendre le verdict chez l'organisateur, qui doit tout d'abord analyser les faits, les rapports de l'arbitre, les rapports du commissaire, et c'est lui qui va rendre et compte dans combien de temps à l'opinion. Dans les 48 heures. Ça dépend. Peut-être il peut chez eux aujourd'hui, peut-être demain. Il y a des commissions spécifiques qui doivent venir chez eux. Ça demande toujours à l'organisme. Mais quand même, nous déplorons quand même une chose. Il y a beaucoup des opérateurs sportifs qui sont en train de déformer l'opinion publique et en parlant des choses exalitées. Le règlement nous a éclairé. C'est en vigueur. Alors, on va le montrer. International, nous arrivons au terme de cette rubrique sportive. C'est en vigueur. En guise de conclusion, que dites-vous? Je crois bien, nous demandons seulement que pas de polémique. Attendons toujours ce que la Ligue de foot va décider. Ce qui est arrivé, mais continuons toujours à observer beaucoup du fair play pour que la Ligue de foot arrive avec son championnat à terme. Merci International Tamidila. Allez, mesdames et messieurs, place à la page publicitaire et nous allons retrouver nos amis de la paroisse Saint-Joseph pour parler JPJ. Tupac Ongo Sport, c'est un nouveau concept révolutionnaire mis en place par Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.